s'est passée ta journée? Bien. J'ai une nouvelle idée de roman que je suis impatiente de commencer. Qu'as-tu préparé pour le dîner? Du poulet et du riz. Excellent. Tu veux entendre de quoi il s'agit? Bien sûr, chérie. C'est une sorte d'histoire féministe. Il s'agit d'une jeune femme diplômée qui veut désespérément devenir écrivaine. Tu as un diplôme de littérature et tu veux devenir écrivaine? Oui, c'est vrai. Le personnage principal a l'impression que la vie qu'elle mène ne la satisfait pas. Je vois. Le personnage principal, Marie, se sent piégée. Elle est coincée dans un mariage sans amour. Elle s'est mariée trop jeune. Marie veut-elle divorcer? Marie ne sait pas. En fait, si elle le sait. Elle sent son mari indifférent. Elle se sent négligée. Et pas du tout respectée. Comment le mari a-t-il pu manquer de respect à Marie? Il a été fidèle. Il ne l'a jamais frappée. Il ne se met pas souvent en colère. Je ne crois pas qu'il l'ait ignorée. Marie a son propre bureau privé où elle peut écrire quand elle le désire. Elle n'a pas eu une grosse publication. C'est peut-être frustrant. Mais personne ne l'empêche de continuer à écrire. Marie voudrait juste un peu de soutien et de considération. Peut-être qu'elle et son mari devraient essayer d'avoir un enfant. En quoi cela résoudrait-il quoi que ce soit? Cela pourrait donner un but et un sens dans sa vie. Peter, j'ai fini ce livre il y a un an. Tu m'avais promis que tu le lirais. Tu connais même pas le titre. Je suis désolée, je n'ai pas été présent dans ton travail. Il va être publié. Félicitations, c'est pour quand? J'ai eu la réponse hier. Je ne sais pas comment réagir. Peut-être que Marie et moi devrions faire une pause dans notre mariage. Juste le temps de comprendre qui nous sommes et ce qu'on veut vraiment pour nos vies. Excuse-moi. Où iras-tu? Tu retournes chez tes parents? Je crois pas qu'il soit sage de te le dire. Et je n'ai aucun mot à dire à ce sujet? Je suis désolée. Il y a une valise près du canapé. Oui. Sais-tu quand tu penses revenir? Je ne sais pas.
Le poulet et le riz sont sur la cuisinière.